Bonjour, bonjour. Donc Raquel Joanneau, toujours la même personne, Auxerre, acupunctrice énergéticienne, professeure de Tai Chi sur Auxerre. Je voulais répondre à des questions que j'ai souvent. Pourquoi faire de l'acupuncture? Et est-ce qu'il y a un intermédiaire à l'acupuncture? Donc bien sûr, il y a l'acupression, sans mauvais jeu de mots, c'est souvent les gens du peuple qui sont gênés. Donc l'acupuncture et l'acupression sont extrêmement sérieux. Ce sont des choses qui peuvent changer vos vies. Je ne veux pas dire sauver sa vie parce que c'est un peu too much, même si je le pense profondément. Dans le sens où l'acupression est la même chose que l'acupuncture, sauf qu'il n'y a pas d'aiguille. Pour ceux qui ont peur des aiguilles, qui sont phobiques, qui était mon cas avant. Si on m'avait dit que je devais être acupunctrice, je n'aurais jamais pensé. Donc l'acupression, c'est avec le pouce, par exemple. Là, je vais faire un point, tac, et vous dites, mais elle fait rien. Effectivement, ça s'appelle même le dowing. Donc le dowing, c'est quand on fait une pression sur son corps pour régler un point. Chaque point de notre corps humain a un message. Chaque corps de notre corps humain règle une problématique physique, psychique ou énergétique, et parfois les trois. Chaque point du corps humain est une planète. Donc effectivement, je ne vais pas mentir, le fait de piquer a souvent parfois une incidence plus importante. Donc quand on ne peut vraiment pas piquer, on prend aussi un petit bâton de bois ou un moxa, ou pour les enfants ou les bébés qu'on a parfois avec Florine et Laïla, et bien hop, avec le pouce, ça fait le même effet. C'est juste que c'est un petit peu plus long, ça prend plus d'énergie, tout simplement. Donc déjà pour ça, dans un premier temps. Dans un second temps, j'ai remarqué souvent que les gens en France, en Europe, passaient plus de temps à mettre de l'énergie, pour ne pas dire de l'argent, dans leur maison et leur voiture que leur propre corps humain. Et quand ils viennent faire une séance, genre, quand ils disent que c'est cher, c'est un blasphème pour eux-mêmes, pour leur thérapeute également. De moins en moins, hein. C'est juste pour verbaliser les choses, mais je vous en supplie, ne dites pas que vous n'avez pas d'argent alors que tous les mois, vous payez une assurance voiture et une assurance habitation que vous n'utilisez pas, on est d'accord. Vous vivez dans un appartement, une maison, vous utilisez votre voiture parfois quand vous en avez, mais si vous n'avez pas votre corps, vous pouvez habiter où et vous ne pouvez pas utiliser votre voiture. Donc, j'aimerais juste qu'en fait les gens réfléchissent dans la logique, c'est passer par soi, pas dans une forme de narcissisme ou d'égoïsme, notre corps physique. C'est là où notre âme ou notre esprit loge, en premier, dans le corps physique. Donc le corps physique, à mon sens, vous devriez, tous les 3 mois, faire une séance d'acupuncture ou d'acupression ou de massage ou d'autres pour prendre soin de vous, pour pouvoir vivre correctement dans votre appartement, maison ou voiture. Parce que très souvent, je vois des belles voitures avec un corps énergétique très moyen ou qui vivent dans de belles maisons et belles appartements et un corps qui est malade. Et c'est vraiment dommage. Une petite anecdote, j'ai eu un patient dernièrement très sympa, un jeune qui vient faire des cours de tai chi particulier là récemment, et il me confie cette anecdote, il me dit « Ma mère a un problème. » Je dis « D'accord, lequel ?» Elle vient d'hériter de 100 000 euros. Elle paye 18 euros de gestion. Et elle a mis un mot « Je suis ruinée. » Donc en fait, c'est une pathologie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent, et payer 18 euros, pour elle, c'est improbable. Donc, c'est la peur de perdre. Donc, c'est relié souvent à des mémoires ancestrales de guerre. Donc, ce n'est pas relié à la personne qui est radine. Ou... Non, pas du tout. C'est vraiment un problème ancestral. Et ça, oui, l'acupuncture le règle. La biopsychosynergie aussi. Je voulais vous parler de la biopsychosynergie parce que là, pour Noël ou l'année prochaine maximum, avec Florine et Laïla, et sûrement Micheline et Claudine, qui font partie de l'association La 8e Couleur, on va mettre en place une formation de 3 semaines pour devenir thérapeute. Parce que j'ai eu cette chance de l'avoir personnellement et je veux absolument le transmettre aux autres. Donc oui, bien sûr, il y a un coût, on ne va pas faire ça gratuitement comme on a fait beaucoup de soins gratuits. On ne peut pas faire tout gratuitement, ce n'est pas possible. C'est à un moment donné, vous achetez une voiture, vous achetez une maison, vous achetez des vêtements, vous achetez à manger et vous achetez aussi une profession. Donc oui, on peut devenir thérapeute professionnel performant en 3 semaines. Comment ? En suivant cette formation, c'est-à-dire que pendant 3 semaines, de 8h du matin à 18h, pendant 3 semaines, vous faites un travail sur vous acharné. Personnellement, je ne prendrai que 4 personnes. Je ne vais pas en prendre 10 comme on a été, ou même 20. Je veux que 4 personnes super motivées, afin, s'ils le souhaitent, d'intégrer l'association, de bénéficier des 1500 personnes en fichier pour qu'on puisse travailler ensemble, parce qu'avec Florine, Laïla, Claudine et Micheline, on a besoin, je ne vous mens pas, on aimerait beaucoup des hommes. Dans le sens où on est déjà des femmes, s'il y a des femmes, c'est génial, mais dans le sens où on est même yin et yang, il n'y a pas de souci, mais c'est pour faire
il y aurait d'autres hommes qui verraient d'autres hommes au niveau des patients, c'est vrai que c'est plus sympathique. Mais bien sûr qu'on ne refuse pas des femmes qui sont ultra motivées, qui comprennent le message et qui veulent aller au bout des choses, qui ne se trouvent pas d'excuses, ni d'argent, ni de temps, ni les enfants, ni le travail, ni même la pandémie, désolée de le dire, mais voilà, ne trouvent pas d'excuses, mais est prêt à s'investir corps et âme pour changer de vie et de métier. Que vous puissiez voir cette vidéo. Merci.